Bonjour le Krugistan et bienvenue pour les suites d'aventures sur Rome 2 Total War Empire Divided. Que le dernier ferme la porte. On joue toujours les Saxons, on est toujours en guerre contre la Gaule, l'Espagne, les Sassanides. Ouais, en fait on est en guerre contre le reste du monde. Là en ce moment c'est même la guerre dans le royaume quoi. Donc il y a des gens, je sais pas lesquels, qui ont tenté d'assassiner le roi. Donc, le roi est blessé, encore pendant 4 tours. En représailles, j'ai assassiné le chef du du clan de l'Hippocampe. Pourtant, c'est un de mes meilleurs généraux, mais j'étais pas content. Et quand Krug est pas content, voilà, ça tourne mal, explication, tout ça, tout ça. Et donc, je suis toujours emmerdé par le fait que je ne puisse pas, je ne sais pas pourquoi, Nardin, recruter des gens de mon clan, des Saxons. Je peux pas. Il y en a plus, c'est une espèce en voie de disparition. Ils ont pas procréé, ils ont pas. Je sais pas. Peut-être qu'ils sont impuissants, ou. Il y a un truc. Et du coup, la grosse armée que j'ai préparée pour Sigeric, elle est en train de se réunir pour un autre général, en fait. Donc c'est pas cool. Ok, encore 3 tours. Il a perdu du gravitas de ouf. Ah non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Mais il perd en gravitas, hein, je sais pas pourquoi. Là, je promeux Gilbert. Putain, ça coûte trop cher, gros. Arrête. La loyauté des autres clans, elle baisse. Mais bon, je suis un petit peu obligé. Hein. Alors, Caralis, on va pouvoir faire un port niveau 4. Il faut un temple hein, pour contrebalancer l'ordre public que ça va causer. Donc là on a un petit problème, c'est que il n'y a pas de défense à Genua. Un petit problème, c'est un gros problème. C'est la faction Cisalpina, de toute façon, il y a une rébellion en ce moment, je sais pas où aller. Ça doit être eux. Armée rebelle, voilà. Je suis un peu keblo là, c'est chaud. Non, attaque de nuit, ça va m'emmerder ça. Allez, dégage. Ouais, c'est parti mon kiki. Ouais. Ça va peut-être faire léger avec tes 4 troupes là. Je peux pas recruter, c'est normal. Alors, l'armée sigérique. Encore un tour de recrutement, c'est cool. C'est bien. C'est qui lui, Clodovec? Mais je sais pas quel est mon deuxième général, je sais plus qui c'est. Ah bah c'est Gilbert, c'est ça. Noreya, donc c'est lui. Elle est où ça là? Y a pas une question de loyauté avec ces connards là? Un gars adopté. Ah bah oui, eux c'est les chefs de clan de
Donc je peux pas les adopter. Mais les petits, je peux les adopter. Pas les petits. D'accord. Donc ce que je peux faire. Ah bah bon, on va faire ça alors. Bien sûr. Tiens, Clodovec, normalement, c'est un bon gars, quoi. Il a que 20 gravitas, pourtant, il a fait plein de victoires militaires. Mais lui, on va essayer de l'adopter. On va essayer. Allez, on essaye de faire ça. Pourquoi il a que... Il a si peu de gravitas? Attends, c'est un général 6 étoiles. Je comprends pas tout hein, dans le gravitas, les politiques, la loyauté. Eh bah t'as qu'à patrouiller tout seul si tu veux des patrouilles mon gars, sors-toi un peu les doigts du cul là. Oui je veux ci, je veux ça, mais vas-y mon gars, hey, t'as envie de patrouiller, tu patrouilles. Hein. Alors là on a des copains qui arrivent, et là on a des ennemis qui arrivent. Ouais voilà. Ah ouais. Ah bah tu vois, je pensais que c'était perdu. On y va. Attends, je fous le truc en pause parce que ça va durer encore un quart d'heure de chargement. Ok. Alors, ils sont là? Et genre, ils sont que là ou... Apparemment, ils sont que là. Donc on va... Voilà. On va... Voilà. Mes bateaux. Tous déserteront leur poste. Bah, personne qui va déserter, commence pas à t'exciter. Là. Qu'est-ce que tu racontes? Je crois que mon général, il est sous amphétamine. Des poils recouvrent mon corps et ma tube devient aussi dure que ma lance. Eh ben, c'est quoi? Et... Nous avons découvert des unités ennemies cachées. Eh, c'est lui qui nous emmerde là, qu'est-ce que tu fais? Il est bugué comme un... Comme un truc bugué. Mais non, t'inquiète. Les hommes sont hésitants. Vraiment ? Oh, t'as été hésitant très rapidement quand même, non? Freux, voilà. Ouais, bon. Bon, d'accord. Pas grave, ça va aller, t'inquiète. Non mais si, ça devient grave là, si tout le monde fait la gueule, on est dans la merde quoi. Mais t'es où toi? Allez, faut qu'on contourne. Ça c'est lui qui est en train de faire la gueule. Et là, boum. Une unité entière a péri, mais c'est chaud ça en fait.
Attends, on va le laisser continuer à se battre avec lui. En tout ce qui est... Oui, oui, projectile mortel, bien sûr, bien sûr. Tes fameux cailloux mortels, on connaît, t'inquiète. Mais non, il fuit pas le champ de bataille. Regarde, tout ça, ça fuit le champ de bataille. Mais nous, on fuit pas le champ de bataille. Mais non. T'as peut-être cru momentanément que... Mais non. Tout va bien, mon gars. Ah, ça se gère, ça se gère. Ah, merde. Ah. 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 Alors, Denis Brognard, que penses-tu de cette situation? Ah. Ok. J'ai toujours mon archer... Mon archer qui est aux fraises, là. Tu m'emmerdes avec tes archers, hein. Je préfère te le dire franchement. Ok, la charge était belle. Ok, là ça clignote, ça fait du bien. Ça clignote, c'est cool aussi. Ok, ici c'est réglé. Allez vite, 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 vite. Non, pas toi, pas toi, pas toi. Continue toi, ouais. C'est bien, ça c'est bien ça. Ça c'est bon esprit ça. Ok. Ouais, mais tu vois, c'est ton foiré, il attaque avec des mercenaires, quoi. Il a aucun respect pour... Bah pour moi, en fait, tout simplement. C'est quoi, c'est des chariots, ça? Des chars cuirassés. Donc là, on est en train de tuer tous les fuyards. C'est bien, comme ça, il nous fera moins chier après. Ok, on récupère l'infanterie, on va se mettre là. Ah, il veut se battre Bah d'accord. Il a peut-être plus de flèches. Oh, ils vont pas tenir longtemps. Hein. Tirailleurs légers romains, t'inquiète pas que ça va dégager à une vitesse... vitesse de la lumière, on a toujours dit qu'on pouvait pas l'atteindre, mais finalement... Je les ai butés à la vitesse de la lumière. Et on a une preuve là, tu vois, pour le coup. C'est filmé et tout. Frondeur celtique. Non, mercenaire, pardon. Pourquoi c'est... D'où j'ai sorti celtique? Frondeur mercenaire s'est transformé en frondeur celtique. Moi-même, j'ai pas de frondeur celtique. Hein. J'ai des frondeurs germaniques ou... Mais je sais pas. Je sais pas. Mon cerveau a fait des associations bizarres. On dirait les cuisiniers de maintenant, tu sais, ils te font de l'avocat chocolat, de la mandarine huître. La bataille tourne en notre faveur. Et bah moi je te fais des romains celtiques. Pourquoi pas des romains celtiques? Alors qu'est-ce que ça donne ici? Ouais, ils sont chauds patates. Vous êtes en train de défendre votre ville en fait. Ouais, je croyais que c'était moi le défenseur, mais pas du tout. Ouais, j'aimerais bien récupérer mes archers par contre, si tu peux te dépêcher un peu. Ouais, d'un autre côté, voilà, oui, bah oui, c'est... Ils sont en train de se jeter des cailloux les uns les autres, quoi. Ça peut pas aller très vite non plus. Alors, bah non, par contre, les archers... Vous allez viser... Hop! Sextus! J'ai l'impression que les chars... Les chars ont pas l'air fans des archers, tu vois. Alors, là, ça se bat. Hop! On va balancer les lanciers. Surtout que c'est mon unité d'élite, machin. Donc, les lanciers sur son chariot à la con, là. Bon, le général ennemi, il a pris une volée de javelot dans sa gueule.
Là, il faisait le cake, et ben là, tu fais le cake au Valhalla, mon gars. Sauf que t'es une grosse merde, donc t'as même pas le droit au Valhalla. Mais oui. Hop, mon général est passé derrière. Là, une charge dans le dos de ce qui reste de chez eux. Ah, merde, merde. Oh là là. Oh oh. Je sais pas si j'ai pas tué toute mon armée avec du Friendly Fire, là, en fait. Alors là, je passe le général en mur de bouclier. Comme ça, il va être très défensif. Donc le but, c'est de les tanker, en fait. L'idée, ce serait de les tanker pendant que les archers font le taf. Enfin, les archers. Ouais, il y a un petit peu d'arc, mais c'est beaucoup des cailloux, quoi. Ça se passe bien, quand même. Unité fortement en difficulté. Lui, il est en train de se mettre en PLS. Non, mais ce général, Théobald, n'a même pas... Ah, mais c'est pas un général. Enfin, si, c'est un général, mais c'est un général de garnison, quoi. C'est pas vraiment... C'est normal qu'il ait pas de capacité spéciale, en fait. Victoire très coûteuse, j'ai une garnison, il a une armée gauloise, romaine, machin, avec des légionnaires, j'ai envie de te dire. C'est normal qu'elle me coûte cher, la victoire. Le contraire aurait été inquiétant, quoi. La prochaine attaque, je vais pas la repousser comme ça. Ou je téléporte une armée ici de façon exponentielle, ou je l'ai dans le cul. C'était pas prévu, ça. Et j'ai pas gardé d'armée de garnison. L'armée de garnison, je l'ai descendue. Ouais, bah ça, je m'en doutais. Bon, bah, je peux rien faire, par contre. Non, bah... Faut que je lui fasse un maximum de pertes. Hein, voilà. Ça sert à rien. Il attaque ma ville, donc ça sert à rien de me mettre en défensif pour garder des unités. De toute façon... De toute façon, il prend la ville, quoi, donc... Bon, après, cette Cisalpina, normalement, c'est pas une région nécessaire à ma victoire. Je m'en fous un peu. C'est les occupe, à la limite. Alors, on va recruter une armée à Mediolanum. La Noum. Voilà, on va commencer par ça. Ensuite, on va aller voir pour adopter Clodovec. Il a accepté l'offre et prêté... Ah bah voilà. Ah bah c'est super. On le promeut. Bah voilà, bah c'est génial. Ce qui fait que maintenant, l'équilibre des forces, il va être un peu mieux. Non, ça c'est la merde. Ah, c'est la merde. Ça baisse. Mais bon, c'est normal, si Jirik il est mort, enfin il est blessé. C'est qui l'héritier? Voilà. C'est le bordel, je suis plus assez... Enfin... Comment on fait pour purger? Organiser le massacre de tous ceux qui soutiennent ce parti.
Ouais, voilà, ils vont baisser en loyauté. Moi, ce qui m'emmerde, c'est pas tant l'équilibre des forces, tu vois. À la limite, voilà, il y a plein de partis politiques. Ce qui m'emmerderait, c'est qu'il y a un soulèvement et que je perde des provinces, quoi. Surtout qu'ils ont pas pris les provinces dont je me fous. Ils ont pris des provinces qui me sont nécessaires à la victoire de la game. Oui. Donc là, on a l'armée de Sidgeric qui est menée par un traître, Lambert. C'est pas grave, hein, il va mener son armée sur le front. Et puis dès que Sidgeric sera disponible, on le remplacera tout simplement. Donc il y a lui à bouger, et lui, c'est ça. Gilbert, c'est ça. Gilbert. Voilà. Ces deux armées-là, il faut qu'on les fasse combattre pour gagner du renom, pour augmenter la puissance de mon clan. Je pense que c'est ce qu'il y a à faire. Alors ici, ma flotte qui monte pas. Mais c'est qui lui alors? Ah oui, bah c'est mon fameux amiral, ouais. Qui est dirigeant du clan des collines. Peut-être qu'il va mourir, hein, on sait pas. Ça, des fois les gens ils vont comme ça à la guerre et puis ils meurent. C'est triste. Calédonien, tu veux pas aller t'occuper des mecs là? Ils m'attaquent avec quoi alors? Ouais. Y a pas grand chose, mais ça va suffire à me défoncer. Hein. J'ai aucune armée dans ce coin là, j'ai aucune armée là. J'ai une armée ici. Mettons que je prenne la mer, il me faudrait combien de temps pour venir? Ça va être long, hein. Ça va être... Oh là là, puis non, je passe à moins 9 d'ordre public ici, c'est pas possible. Ah non, non, mais laisse tomber, c'est pas possible. Tiens, hop, tu retournes à la maison. C'est mort. Du coup, j'ai pas de quoi acheter d'armée. Ah là 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 là, c'est compliqué tout ça. D'un côté, si c'était simple, on serait chier. Hein, bon, voilà. Alors, ça donne quoi là-bas? Il a pas attaqué alors. Il doit être en train de construire des armes de siège, j'imagine. D'accord. Attends, mais le Romain, je sais pas, tu fais quoi? T'es censé aller capturer Rome, quoi, en fait. Alors, la Métigérique, elle est là. Il est parvenu. Ah, encore un tour. Ok. Je
je croyais que c'était... Ok, pas de soucis. Voilà, donc là j'ai l'armée de CJ Rick. Il est où l'autre? Là. C'est lui, hein, Gilbert, c'est ça? Ouais, Gilbert, on va l'appeler Gilbert, c'est cool. Donc Gilbert, c'est bon. Notre amiral. Alors là, en fait, ce que j'avais en tête, je veux dire franchement, c'était faire la bataille moi-même. Et faire couler le... Attaquer toute l'armée tout seul avec... Ah ouais! T'es un ouf, toi. Ouais, on reviendra, c'est ça, ouais. On va faire ça comme ça, hein. On reviendra. Je vous dis pas quand, mais voilà, on repassera, on sera une bouffe, un truc tranquille, quoi. Mais d'un autre côté, ça me fait quand même chier de perdre un général aussi compétent, quoi. Ça me fait un peu chier quand même. Ouais, ben là, je vais quitter cette région-là pour aller récupérer Arasilium, mais. Comme d'habitude, en fait, ce que ça va faire, c'est que je vais dégager, et là, il y a une armée qui va arriver du Lycipo. Je suis quasiment sûr. Après, on peut faire une attaque croisée. Enfin, une. Il va pas pouvoir défendre toutes ces cités non plus. Après, j'ai pas besoin de conquérir. Hein. Là, je vais la piller. Ouais, je vais piller, puis me barrer, c'est tout. Voilà, on n'a pas besoin de plus, on est des Saxons, j'ai juste voilà, j'ai juste ça à récupérer, et ça suffira pour ce que j'ai à faire dans cette game. Donc là on va pouvoir s'occuper de chez nous. Ah, vous avez pas honte là, non mais vous êtes en train de profiter des... De ce qu'on a pillé aux autres contrées, c'est pas bien quand même. On est en train de se faire plaisir avec tout ce qu'on leur a piqué, quoi. Quoi, piqué? Les Romains ont fait une conquête, les gars. Ils ont piqué Arminium. Waouh! Les légions gauloises! Oh, je sais pas si vous avez vu, il y a au moins 4 légions qui ont popé sur Rome. Il faut que j'aille aider le Romain. Il faut clairement que j'aille aider le Romain. Comme ça, on défonce toute l'armée gauloise. Et derrière, le Romain peut reprendre Rome, tout simplement. Mais moi, j'ai pas besoin d'avoir plus de terre. J'en ai largement assez. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais sauvegarder, la faire en auto. Oh, quoi qu'on peut peut-être se la faire. Ouais, allez, on va se la faire, ça nous fera notre dernier... Ils ont une unité de tirailleurs. Hein. Par contre, il y a un petit peu de cavalerie, ça c'est... Quoi? Défense disponible? Défense sélectionnée, qu'est-ce que c'est que ça? Baliste germanique. Vas-y, fais la bataille. On va rigoler 5 minutes, je crois. Vas-y, mon gars, vas-y, fais le bataille. Ok. Alors. D'accord, donc effectivement. Ça, je les mets où je veux ou. Ah non, c'est déjà placé en fait. Bon, elles sont où les méchantes là? Ah non, tu vois, je peux les mettre là. Ah ouais. Ah, ça va être bon, ça. Franchement, je crois que ça va être rigole. Baliste. Ah, par contre, j'ai pas assez de points de... Voilà. On va mettre la... Je sais pas s'ils vont pouvoir se retourner, quoi, en fait. C'est quoi, ça? J'ai mis quoi, un onagre? Non, scorpion? Ah ouais, voilà, après, il y a plus de points d'accroche, quoi. Il y a trop de défense, mon gars. Trop! Je peux pas les mettre là, putain, c'est nul. Bon. Alors, eux. Eux, on va les mettre là. Pour faire une prise à revers.
archer ici. C'est pas mal. C'est pas mal comme conseil. Soyez sur vos gardes. Nous sommes assiégés. Ne vous endormez pas. Mais putain, mais c'est plein de sagesse. Bon allez, on y va, on verra ce que ça donne. Alors. T'en fais une pause. Rafale enflammée. Dégâts contre les bâtiments. Explosif contre l'infanterie, c'est ça. On va mettre ça. De toute façon, c'est... Ouais, voilà. Hop. On s'en fout. Et lui, il peut pas tirer là-dessus, là. Si. Ouais, lui, il peut pas. Mais la catapulte, ouais, tu vois. C'est logique. Morts déjà. Ils sont peut-être pas arrivés full life, on va dire. Non, mais faut viser un peu, hein. Je vais pas les descendre tout de suite, hein, sinon ils vont leur rentrer dans la gueule. Putain, elles font rien du tout, mes trucs, là, sérieux. En plus, il est immobile, le machin. Ok. Ouais, je suis triste. Je suis tristesse. Alors, au mieux ils vont arriver à okay. Il peut déjà plus tirer, c'est ça? Ok. Et il va direct sur le machin, lui. Il s'emmerde pas, tu sais. Faut pas dans le détail. Allez. On bouge. Ah oui. Oui. J'ai eu peur. Mais il a juste réussi à tuer la balise, quoi. C'est déjà pas mal, mais c'est pas le bout du monde.
Ok, son bélier il est en train de crever. Là il se prend les dégâts des deux tours, donc c'est, ça facilite la vie. Hein. Ici, j'espère que ça va. Combat égal. Hein. Attends, on va repasser en flèche normale par contre. Flèche enflammée, c'est bien pour... c'est bien pour les bâtiments à la limite, mais c'est tout quoi. Lui il va être poussé. Ok, Vlamé renfort. Ok, de ce côté là ça a super bien tenu. On a même un petit peu de rab, on va l'emmener ici. Lui il est en train de se reculer. Là on va ramener du renfort. Ok, alors là ce qu'on peut faire, faire une espèce de petit front ici, je sais pas s'il va venir, et s'il vient ici, il va tourner le dos à ce côté-là de la map. Dans quel cas, on pourra leur bourrer le dos en fait. Et s'il continue à aller là-bas, mes archers vont tirer là-bas, il n'y a pas de souci. C'est des... Oh. C'est pas des archers, c'est des abrutis de... frondeurs. Voilà. Mais mon général a toujours pas bougé. Mon unité la plus puissante. J'ai pas encore eu besoin de m'en servir. Voilà, donc là, tu vois, on va taper là-bas. Parce que quand ils vont monter sur les marches, ils vont prendre des pierres dans le dos, tout simplement. Donc là, j'utilise ma deuxième unité d'infanterie pour lui passer dans le dos. Il a pas aimé prendre des projectiles dans le dos, donc là il vient. Ce qui fait qu'il tourne le dos aux autres. Il tourne le dos autour notamment. Que je ne peux pas sélectionner, c'est con. Ok, lui, il se barre. Hop. Tu vois là, il est toujours en train de tourner le dos à quelqu'un en fait. Oh 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 oh, ce fail. Ah ouais. J'étais occupé avec l'autre et vous avez dû le voir vous parce que vous avez toujours les yeux partout. Et moi je me suis fait avoir. Faut bien choisir le verbe que tu utilises parce qu'après tu passes pour un. Enfin faut bien choisir ce que tu dis. Hop. Non je déconne, j'en ai rien à foutre. Tac 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 tac. Voilà, ça va être du tir tendu là. En fait, ils sont bien amenés chez nous. Voilà. J'ai cru qu'il allait dire que son général était mort. J'ai eu un petit moment de solitude dans ma tête là. Attention ici. Ah, les archers n'ont plus de flèche. Ah! J'avais pas prévu ce cas de figure. Ça, c'est pareil, tu vois, c'est assez cool en fait, parce que je vais prendre cher, hein, il est dans le dos de mon. C'est pas grave, c'est de la garnison. Ils sont dans le dos du machin, mais derrière, ils sont immobiles. Oh, 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 oh. Ah, je pensais que ça nous donnerait un meilleur avantage quand même. Hein. Quelle honte, c'est inadmissible. Qui fuit? Ah oui, c'est mais oui. Ah bah eux, ils vont fuir aussi. Hein. Ah c'est con là-dessus. Ouais, ça va mal se terminer pour eux. Mais bon. La bataille est gagnée donc. Le champ de bataille. Mais quelle honte!
toujours pareil, hein, cette nouvelle mode d'avoir des archers sans flèches. Hein. C'est pas très utile. Ils sont combien, eux? 26. Bon, ça va bien se finir, c'est cool. Ils sont en train de les jeter par-dessus bord, les gars. Là, c'est con. Il y a, je profite pas de mon avantage numérique, là, hein, clairement. Le mieux, ce serait de reculer, en fait, de reculer un petit peu pour agrandir le front. Mais le problème, c'est que si je leur dis de bouger, moi, je voudrais qu'ils reculent. Mais en fait, ils vont faire demi-tour pour se déplacer, ces cons-là. Et ça, ça va pas être bon pour ma gueule. Situé avec le scorpion, c'est de la merde. C'est pas terrible. Mais je sais pas s'il va tirer vraiment ou s'il fait semblant. On entend les catapultes qui tirent à des kilomètres à côté, tu sais. Il y a un boulet qui est passé à gauche. Ah, je crois que le scorpion a plus de balles. Non, mais laisse tomber la catapulte. En fait, rentre chez toi. Tu ne sers à rien. C'est con, faudrait que je sorte et que je leur tire dans le dos, mais... Je vais me faire bourrer par sa cavalerie, quoi. Il reste 66 unités quand même. Cohorte d'évocatie, je vais t'évoquer quelque chose, mais... Non, faut arrêter avec le... C'est has-been les archers. Ici, il n'y a plus de balles, il n'y a plus de balles. Qu'est-ce que je te dis? Lui, il a jamais réussi à tirer. Ah, il a fait 43 morts quand même. Oh, au final. Il s'en est bien sorti, finalement. Bon, lui, il peut rien faire, c'est de la merde. 57. On va passer en avance rapide, ça me saoule. Ça y est. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Mais insiste pas, c'est fini, gros, c'est fini, Je sortirai pas de toute façon. C'est pas à moi de faire le jeu. Ok. Bon, bah, c'est cool. Franchement, je pensais que j'allais la perdre celle-là parce que il attaquait vraiment Burdigala qui est pas réellement protégé, quoi. Et je paniquais, je savais pas où aller chercher une armée pour venir protéger la ville et tout. Mais finalement, bah, ça s'est bien passé. La garnison était suffisamment forte ou son armée était suffisamment faible, je ne sais pas. N'empêche que ça s'est bien passé. On va prendre des prisonniers un peu. Il y a longtemps que j'en ai pas pris. Ok les amis, sur ce, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, parce que des fois on hésite, on sait pas. Hein, je le fais pas. Est-ce qu'il va mal le prendre? Je ne sais pas. Alors abonne-toi, like, partage, commente, viens voir sur Discord, il y a du monde. Des bisous, ciao.